Ça, c'est la vidéo d'intro de la vidéo qui va sortir. La vidéo là qui va sortir. Ah oui. La vidéo de dimanche. La vidéo de dimanche, ok. Ouais. Du coup, les gars, petit vlog. Est-ce que tu peux expliquer les raisons pourquoi le vlog est un peu plus petit que d'habitude? Bah, c'est parce que les tables sont très belles et que du coup, on profite pour jouer beaucoup plus, quoi. C'est ça, il nous reste 5 jours au Mexique, ensuite direction Paris. Et ouais. Donc, on en profite pour envoyer un maximum de volume. Donc, un peu moins de vidéos, surtout que, bon, je spoil pas, mais. Je spoil rien. Je spoil rien, mais. Mais voilà, quoi. Vous allez voir cette session. Insane. Mais. Non, mais tu connais même pas la session, gros. Si, moi je la connais. Je sais plus rien. Bip, et tu. Au montage. Sur la session là? Ouais. Là tu. T'es chaud. C'est ça? Ouais, c'est ça. Non, arrête. Non, je te jure, mec, c'est un truc comme ça. C'est comme ça. Bref, la session là. Vous allez le voir, les résultats, mais par contre, après, on part sur un bad run. Il y a beaucoup de mecs qui me disent oh, bah, qui comment tu gères les bad run? Il n'y a pas de bad run. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On va avoir un bad run et on va l'avoir au pire moment parce que c'est pendant qu'on shoot les limites hautes. C'est clair. Ça fait chier et là, du coup, il y a moi combatif, genre pas la nuit, je suis en mode je vais revenir le lendemain, je vais les étriper. Et donc, je suis pas trop dans le mood de faire des vidéos. Enfin, j'en fais, voilà, je fais juste une vidéo minimum par semaine. En plus de ça, on a Paris à préparer, donc la vidéo est un peu plus courte pour ça. Mais par contre, on vous promet de très belles vidéos. Ça, ça vous allez voir de la bagarre, de la résilience. Bref, ça va être fou. Puis en plus, la semaine prochaine, on va les croiser et tout à Paris. À Paris, et on arrive à Paris. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Bah, kiffez la vidéo, enjoy la vidéo. On dirait, tu sais, les intros à la Bardoen. Yo. Tu sais, Bardoen, il est comme ça. Non, il manque la guitare derrière et ouais, tout. Bardoen, il est comme ça. Yo, les gars. Bon. Bon. Ouais, session. Alors, session. J'ai joué au Bellagio. Joué au Bellagio, c'est une session. Vraiment. Non, t'es, il regarde en bas. Ah oui. C'est une session vraiment. Ouais, insane. C'est une vraiment intéressante. Il est vraiment des très gros pots. Non, il est chaud, le bras de même. Après, il a 64 abonnés. C'est qu'il y a un truc. C'est que moi, ça marche, hein. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris chez les bras de même. C'est ça. Hein. J'ai regardé tous les mecs, tu vois, tout le monde fait du bon contenu, bras de même un peu moins et. Et ça marche. Mais c'est ça, c'est comment il raconte les stats. Je pense que c'est le personnage aussi. Personnage, qu'elle soit un peu un récréa et tout. Genre, c'est ça. Quoi, c'est un récréa? Tu sais pas, c'est un récréa. Et qui flatte, il colle les trois bêtes, si c'est 4 shoots. D'un coup, j'ai regardé un vlog, moi je pensais que c'était un règle parce qu'il a dit ouais, bon bah là, sans deep, je push as 10 off pour me refaire. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mais c'est un bon parce qu'il est vraiment authentique et tout dans son personnage. Donc, voilà, petit aparté, mec. Est-ce que tu vas mettre ça, tu penses? Je pense pas que ça fait. Oh, il y a des éclairs, bâtard. C'est, je crois qu'on l'a vu dans le reflet du miroir. C'est pas de miroir. Mais le mur est. Dans le reflet du miroir du mur. On sent les 4 heures de sommeil répétées, ouais. Là, je pense que je fais une petite sieste mode 10 minutes. Enculé, pendant que moi je vais travailler et faire le vlog. Parce que j'ai pas encore tourné l'audio du vlog. Là, je vais juste après dans ma chambre. Tout est mélangé. C'est le bordel, les gars. Naudi, là, c'est une catastrophe. Ah ouais. Ah, vivement que ça se finisse. Enfin, vivement que le Mexique se finisse. Ouais. Parce que là, en fait, on doit charbonner parce qu'on a envie de manquer aucune soirée. On a envie de remonter la pente de fou. C'est clair. Donc, on en profite pour jouer, mais voilà. Pensez, likez. De toute façon, vous connaissez les vidéos, les gars. Toujours qualité. La qualité, elle est toujours présente. Donc, lâchez un petit like, abonnez-vous. Si vous découvrez la chaîne. Qu'est-ce que t'as, comment tu décrirais la chaîne en 3 mots là pour ceux qui découvrent? Ah ouais, bon là je peux te dire que là il a dit oui, ok, il s'est abonné là. Parfait, on laisse ça. Je dirais persévérante. Ouais. La chaîne elle est persévérante. La chaîne est très bien. Parce qu'au niveau publication contenu, quand même, on est chaud. Ouais. Persévérance, méthodique, parce que les spots sont quand même très bien joués dans l'ensemble. Mmh. Et ouais, c'est nice. Qualité. C'est agréable à regarder. Le montage est pas mal. Le montage est pas mal, je sais pas, franchement c'est une question, tu vois, c'est une dure question que tu me poses. Ouais, je t'ai posé ça un peu comme ça, un peu en bâtard là. Tu vois, hier, frère, j'aurais pu t'y répondre. Ouais. Là... Mais là, avec la nuit de 4 heures, bon, c'est une autre paire de manches quoi. On est éclaté sur la vidéo. Non, elle est très bien la vidéo. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un mec, tu sais, qui est resté là, qui s'est dit putain, intéressant là. Ouais, l'intro, il m'en hook. Mais là, je suis captivé là. La vidéo, elle va faire 25 minutes, il va y avoir 15 minutes d'intro. Oh putain. Wow. Ah ouais. Ah, vivement, ouais. Là, on a encore 5 jours à tenir à faire des nuits blanches et parce qu'on doit bosser, grind. Et après, à Paris, je pense pareil, moi je vais prendre 2 petits jours.
Toujours off. Non, ouais, pour ralentir un peu, tu vas récupérer le sommeil. Toujours off. Non, travaille, continue, mais peut-être pas grind quoi. On build grind quoi. Déjà, t'enlèves 8 heures de grind par jour. Oh, ouais. Mytho. Ouais, ça va être premier soir de combat. On va poser les bagages, on va aller en mars. C'est chiant ce soir, non? Attends, vas-y, j'appelle, il y a une place là. Tu me la boucles, on y va. Ouais, c'est, ah, mais c'est sûr, on va grind direct. Ouais, et là, t'as un mec qui est en train de regarder ça, il dit, je suis vraiment en train de regarder ça. Là, je suis vraiment, vraiment en train de perdre mon temps. Comment ça se fait que j'ai pas encore cliqué sur la main numéro 1? Le numéro 8. Et donc, j'ai As 3 suité. Littéralement, la deuxième main. Je lime, j'ai perdu plus de draw. Et je ne touche pas mon draw. C'est bon, c'est pas... le checkpoint. Et c'est ça, je check pas le c'est pas grave. Mais non. Oh là là, les pauvres. Oui. Après, j'ai les rois. Les gars, bon, les gars, on va remettre la situation. Pas de montage, gros. Bah, alors, je vous raconte un spot, les gars. Là, je mets juste la typo, tu vois, dans le bas. Même pas. Bon, les gars, ouais, j'avais roi 10, quoi, flop. T'as les spots qui ont aucun sens, ça. 7-3-2. J'avais roi 10, bon, j'ai double paire, il a top paire. On a mis tout. Ouais, on met tout, il fait runner runner, quoi, mais bon. Putain, j'ai hâte, moi tu sais pourquoi, j'ai hâte d'aller à Paris. Pourquoi? J'ai pas envie de dire de nom, mais... Attends, j'ai mis prêt au pire. Qui a... qui vient de me voir, tu vois, qui vient de me voir pendant que je suis en session. Ah ça va, Baki? Putain, ce soir, les 10, ils font que sortir. Ce soir, c'est les 10 qu'il faut jouer. Ce soir, c'est les 10 qu'il faut jouer. Si franchement, ça, c'est juste... pour ça, un 10 c'est... en main, faut le jouer tout le temps. Pour ça, c'est exquis, quoi. Ouais. C'est qu'il y a un mec qui tilt, qui dit, c'est quoi ce croupier, là? Ouais, c'est... Ah mais il est compétent. Mais et là, regarde ce qu'il me distribue. Et là, le croupier change. Il a une bonne main. Bah voilà. Bah voilà. Mais c'était sûr en même temps. C'est quoi ce croupier, putain? C'est vrai que c'était horrible. C'est tellement, il y a tellement. C'était horrible. Mais mec, il y a tellement de machines. Voir des Hakim. Oh là là, les gars, on a eu une session avec Hakim. Hakim, bisous si tu regardes la vidéo. Je sais pas du tout si tu suis la chaîne. Mais putain, Hakim, waouh! Un bonheur de jouer. Il était bourré, gros, à la table. Ouais. Il était trop drôle. Très gentil et tout, ouais, c'est clair. On a tapé des grosses barres jusqu'à 5h du mat. Mais on a joué combien de temps sur cette table? On a joué 15h, je crois. Ouais, c'était insane. En plus, on est parti. Ce qui est bien à Montmartre, c'est qu'il y a quand même des petits croissants quand on part. Quand on part, il y avait des petits croissants, des petits pains au chocolat tout chaud là. Ça, c'est cool quand même. Avec un Hakim qui est en train d'enchaîner les verres de whisky encore. Il est à son 73ème verre. Ah ouais. Et en plus, il s'en était bien sorti, Hakim. Hein. Ah, Hakim, il s'en était. Waouh. Wow. Au moins 5K, quoi. Oui, moins 5K, mais enfin, à un moment, il était down à 15K, ouais, 10K, 15K, ouais. Et finalement, en plus, on avait mis des petits setups en soirée. Voilà. Moi, j'avais fini la soirée à plus 5 à 7. Tu sais, t'es pas content, quoi. Ouais, ouais, quand t'as joué 16h contre Hakim. Ouais, tu te dis, putain, tu devrais lui prendre 15K, quoi. Ah, il y avait la meuf qui avait pris une putain. Ils sont des souvenirs, de la nostalgie, mais ce qui est bien dans la vie, c'est qu'on va revivre tous ces moments. C'est clair. Avec vous sur les tables. Plein de waiting list aussi. Plein de waiting list, c'est cool. On va pouvoir le temps de discuter. On va pouvoir attendre 5 heures ensemble, voilà. On sera posé comme ça, ouais. Ouais, non, mais va open la table, t'inquiète. Ah, ok, ils ont plus de croupiers. Bon, ouais, c'est un cas typique en France. Désolé, les gars, on a deux croupiers pour le casino. Il y a 17 tables en attente. Là, c'est chaud, là. Mais vous pouvez pas recruter un croupier? Bah, non. Ah ok, bon bah nice, hein. Non, bah sympa, on va attendre quoi. On va attendre, l'intro mec, j'ai... Non mais en fait, c'est moi au début j'ai eu l'idée, je me suis dit, non mec, là c'est trop là. Mec, le time watch, on va se engueuler après, on va dire, mais les gars, c'est quoi les ça? Les gars, c'est quoi cette intro? Ouais, c'est pourquoi on fait des intros si longues? On en a rien à foutre, tout. Mais du poker, tu sais mec, il y a un bouton vraiment, genre il y a début à... Ça, tu peux cliquer sur la main numéro 1, tu zappes totalement ce que tu peux faire, c'est que tu mets l'intro entière, et tu sais, tu mets un texte en bas que tu laisses. Ah oui. Début à... Ouais. Vas-y, je vais faire ça. Je vais juste piper les moments sensibles. Ouais. Bon après, je dis rien. Je dis rien de fou. Il y a des noms, mais bon, après... Il y a des noms qui sont tombés quand même. On a tiré à balle réelle quand même sur certaines personnes. Surtout que c'est potentiellement une personne qui regarde des blocs. Attends. Non mais il est adorable, gros. Oui. Mais moi, c'est... Ah ouais, ok. Je n'en veux pas d'être comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un compliment. Bah moi, c'est un compliment qui me fait rire, moi, tu vois. Moi, il y a quelqu'un qui dit ça sur moi, je me dis c'est un enculé. Mais c'est une réalité, gros. C'est à vrai. Chaque fois. Après, c'est vrai que ça reste vrai, tu vois. Les gars. Ah, les 10 ce soir. Oh, s'il y a une main qu'il faut jouer. Ah, mais ce soir, payez pas les tiers, je couleur. S'il y a une main. Oh, les trèfles. Les trèfles, ils sortent jamais. Ah ouais. La dernière fois, j'ai follement flushdraw parce que ça tombe jamais, et j'ai eu raison parce que c'est pas tombé. C'est pas tombé, voilà. Bon, après, peut-être qu'ils changeront de croupier, ça changera quoi. Non, c'est excellent, c'est une pépite, c'est une pépite. C'est vrai qu'on va bien. Mais il y en a beaucoup, j'ai un nom, mais. Oui, il y en a plein. Ouais, tu peux bouper quand même. C'est mieux. Non, mais par exemple, avec tout le monde et tout. Hakim, ça va. Hakim, c'est cool. Hakim, il y a un. Parce qu'on a pas. On aurait pu dire des trucs. On aurait pas derrière.
On aurait pu dire beaucoup de choses sur Hakim. Mais Hakim, parce non. Qu'il y a eu... Non, il s'est passé des choses quand même. C'était pas juste du grind des plays un peu plus pré-flop, quoi. Non, il y avait pas que... Il y a eu des trucs un peu limités. J'avais oublié. Bah, mais si, mais gros. Oui, je viens de dire penser. C'était un fou, gros. Je viens de dire penser. Enfin, il y a un moment où le floor, il avait eu... Ouais, 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 voilà. Il a dit, oh, Hakim, tu te calmes, là, frérot. Là, on a une table de poker. Tu te calmes. Ouais, c'est... Moi, c'est quoi qui me manque? C'est quoi? En France, c'est quand vous êtes à 3 dans un coup, vous parlez de la pluie et du beau temps, et qu'il y a le premier qui dit, il y a le premier qui dit, non, oh, oh, ils sont à 3 joueurs, là, il n'y a pas de discussion, hein. Personne ne parle, chut. Parce qu'en fait, en France, c'est vraiment, il y a ça, quand vous êtes à 3 dans un coup, t'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler, gros. C'est des malades. C'est des fous. Et genre à la table, à chaque fois, on est, non, mais on est tous potes et tout. Ouais, c'est bon, genre, il y a une bonne ambiance, arrête de casser les couilles. Ouais. On n'est pas en étude. Enfin, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un à la table qui disait non, arrêtez de parler. Non, c'est vraiment juste que tout le monde est uni et voilà. Dit oh, ouais, c'est oh, oh. Arrêtez de faire CPE là, laissez parler. Non, mais ça, c'est vrai que c'est fou. Ouais, ça. En fait, moi, c'est, oublié, putain, moi c'est le truc drôle de la France, c'est le truc strict. Ouais. Le manque de souplesse en France. Le manque de souplesse, fou. Il y a une règle, elle est comme ça, c'est comme ça. C'est comme... Là, tu fais pas autrement quoi. Oh, de toute façon, je pense après, ils vont être cool. Enfin, là, peut-être que ça a changé. Là. Oh, ça n'a pas du tout changé, frère, ça a dû s'endurcir encore. Ah, j'ai hâte d'aller les croiser tous sur les tables et tout, ça va être trop bien par contre. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, les gars, abonnez-vous, likez la vidéo. Hein, parce que si vous avez regardé jusqu'à là. Mais vraiment, là, je pense qu'il y a vraiment, je pense, 15%. Mais mettez dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à là. Genre si vous avez vu ce moment-là. Ouais, on trouve un nom, hashtag. Mec, et vraiment, ça in game là, ouais. Je sens que le manque de sommeil, tu me poses une question. Tu sais, normalement, je suis quand même quelqu'un d'assez réactif. Oui, là, mec, là, mec, c'est, j'ai des temps de latence. Hashtag, faut mettre hashtag. Attends, une bouteille d'eau, c'est quoi la marque de la bouteille d'eau? Bonafon. Bonafon. Hashtag, mais mettez Bonafon. Hashtag Bonafon. Ouais. Et là, on va savoir. Moi, je pense qu'il y a peut-être 15-20% des gens qui arrivent. En vrai, 15-20, mec, c'est beaucoup, mec. C'est beaucoup, parce que beaucoup. Ça fait 13 minutes là. Ouais. Tu as que des petits passages, non? Ouais, je pense que ça va faire peut-être 9 minutes. Mais mec, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai l'impression d'être en stream. Allez, hop, on y va. Allez, close. C'est parti. Fin. Moi, je vous fais l'audio là que vous allez entendre, ouais. Juste là. Je me pose dans ma belle chambre et profitez bien de la vidéo. Ciao. Et après cette longue intro, on se retrouve pour cette petite vidéo, pour ce petit vlog. Pas mal de spots assez intéressants, on commence tout de suite. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un putain d'enfer. Parce que quand j'arrive, je suis en short et ils acceptent pas les shorts et du coup, je dois faire un aller-retour. Bref, au final, on arrive et on se mange 2 heures de waiting. On rencontre des abonnés qui sont venus au casino. Et du coup, on discute, on mange, bref, on passe un bon moment. J'arrive à la table avec 25 000 pesos. La table est assez inconnue, il y a 2 abonnés, le bro Hugo, donc plutôt riche au final. Je commence à tester la table en mettant quelques bluffs, et ça marche plutôt bien. Et on se retrouve sur le premier gros pot, j'ai As-4 suité en small blind. Il y a un Mississippi à 300, et donc c'est à moi de parler en premier, je décide de call. Les joueurs en MP cutoff call et le bouton check. On se retrouve à 4 joueurs sur un flop As-5-7 avec mon tirage couleur. Un board plutôt très sympa, j'ai énormément d'équité. Eux, ils ont une range de call pré-flop, donc ils n'ont pas vraiment d'As qui me domine largement. Ils vont en avoir quelques-uns, mais ça va être rare. Ils vont plutôt avoir tendance à les isoler. Et donc, je me comporte assez bien contre ces ranges. Il y a pas mal de 7x, 5x que je domine, et aussi évidemment des tirages que je domine. J'essaie de reprendre l'initiative et de miser 500 pesos. Les joueurs au cutoff et bouton call, et on se retrouve à 3 joueurs sur la turn qui est un 9. Ici, dans la même idée, je décide de continuer à miser en value, le 9 n'est pas si mal, ça rentre des mains comme 8 et 9 que je vais pouvoir value assez facilement maintenant. Je décide de miser 1000 pesos, le cutoff fold, et le joueur au bouton décide de relancer à 3500 pesos. Ce mec-là a une range de 100%, c'est-à-dire que étant donné qu'il a checké préflop, il a absolument tout, et donc il peut complètement avoir des mains comme 7 et 9, 5 et 9 dépareillés. Enfin bref, ça représente très vite beaucoup de combos. Il a aussi les 6 et 8. Dans tous les cas, il me reste seulement 2500 à rajouter, donc je me vois pas fold avec un tirage couleur. Et je peux toujours toucher un As ou un 4 qui seront bons de temps en temps. Je call, river tombe un 3, qui n'est pas la meilleure, qui ne fait pas rentrer ma couleur. Ici, je suis juste toujours derrière, et il a toujours au moins double paire quand il raise à la turn. Et donc j'ai pas d'intérêt à reprendre l'initiative ou transformer en bluff, il y a juste rien à faire. Et je décide de check, il décide de miser 13 000 pesos, et je décide d'abandonner le coup. On commence avec cette main qui se passe plutôt mal, puis ensuite s'ensuit une période un petit peu lente, jusqu'à ce que je découvre les rois en début de parole. Et je décide de relancer à 400, les joueurs en cutoff et grosse blind call.
Alors le joueur en cut-off, c'est un des gérants du casino, c'est un des mecs les plus gamblers, il en fout bien partout, bref, un beau profil. Et on se retrouve sur un flop Roi-Valet 5. On est content parce qu'on a touché Bourrelant, on n'est pas trop content parce qu'on bloque énormément, énormément le board. Sur ce board, je décide de miser 500 pesos pour me faire payer par un maximum de mains, pour potentiellement générer des raises en bluff de sa part. Encore une fois, si j'avais une main comme Assas, j'aurais misé pot, voire même 2000, parce que je ne bloque pas les rois qui me call. Mais là, étant donné que je bloque énormément la calling range de roi, je préfère mettre un plus petit sizing. Au final, le joueur au cutoff call et le joueur en grosse blind fold, turn tombe un 3. C'est un mec qui est très calling station, comme je l'ai dit. En plus de ça, il y a des tirages, et donc je décide d'augmenter le sizing. Dans tous les cas, s'il a un bon valet, il pourra encore me call. Je décide de miser 2000 pesos. Il décide de call. Et River tombe un as. Qu'est-ce qu'on pense de cette carte? C'est plutôt une mauvaise carte au final parce que ça rentre tous les dames 10 qu'il va jouer comme ça 100% du temps. Mais c'est une bonne carte dans un sens parce qu'il y a aussi des as-6 avec un tirage qui viennent de toucher ici. Donc mon plan il est assez simple, c'est de miser assez cher en value. Mais par contre, très important, c'est ça a beau être un profil qui est assez large, etc. Je n'imagine vraiment pas transformer des mains en bluff à la river. En plus de ça, il a 16 combos de value hyper naturel avec les dames 10. Et donc, ça sera difficile pour lui de trouver assez de bluff. Et donc, le plan, c'est de miser 5900 into fold s'il raise. Au final, il hésite un moment. Il finit par call. Je retourne ma paire de rois et il jette ses cartes tranquillement. Un coup qui se déroule sans accro et qui fait du bien au stack. Après cette main-là, il y a une place qui se libère dans l'autre table qui est beaucoup plus sexy et directement, je décide d'aller changer de table. J'arrive à une table plutôt sympa, assez tranquille. Je me rends compte que la table, elle est vraiment splittée entre des joueurs très très tight et des joueurs qui en foutent vraiment partout. Et donc, ça me permet de bluffer les bons spots, de pas bluffer quand faut pas. J'abuse beaucoup d'un spot, c'est quand il y a un Mississippi, c'est la small blind qui parle en premier. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'ai une range de limp. Je limp énormément et j'ai pas vraiment de range d'open. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, les mecs, ils se mettent à isoler, call, 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 comme dans ce spot par exemple, où j'ai 4 et 3 suités. Ça fait qu'ils accumulent beaucoup d'argent mort au milieu. Et après, je peux leur revenir dessus. Et 80-90% du temps, ça représente énormément de force. Et je récupère le coup et ça me permet vraiment de grind très facilement. Et arrive un spot contre l'ami Rudy. Rudy, pour rappel, c'est celui qui m'a ramené dans ce casino. On se joue un peu aux tables, mais vous savez comment c'est, hein. Moi, personnellement, à la table, c'est pas de cadeau, on se tape dessus, et c'est ça qu'on aime. J'ai dame 18 au bouton, et Rudy décide de relancer 400 au milieu de position. Le joueur au cutoff call, et directement, je décide de le relancer à 2000 pesos. L'idée, c'est que Rudy, je sais que c'est un joueur qui est assez solide, qui évite de faire trop d'erreurs, pour autant il colle un peu trop large pré-flop, et donc je suis assez content de le laisser call assez large pré-flop pour lui mettre de la pression post-flop, ça va être assez facile à jouer. Rudy décide de call, le joueur au cut-off fold, et je me retrouve en heads-up contre l'ami sur un flop 7-4-4. Je décide de miser 2000 pesos parce que ça va faire fold beaucoup de mains qui n'ont juste pas touché, des mains comme Roi-Dame, Dame-Valet, potentiellement quelques mains comme As-10. Au final, il décide de call, turn tombe un As, il check, et ici, c'est un spot qui est très intéressant. Parce que j'ai énormément d'as dans ma range, donc c'est un spot qui est assez intuitif à barrel en bluff. Le problème que j'ai avec le barrel en bluff, c'est que lui aussi, il a toutes les mains comme As-Roi, As-Dame, As-Valet, qu'il va call au flop, et qui percute maintenant ce run-out. En plus de ça, il va pas forcément faire des folds de mutants, parce que c'est assez obvious que mes bluffs, je vais les continuer sur l'as. Je pense qu'il a conscience que c'est une bonne carte pour moi. Et donc, ce que je décide de faire, c'est que je décide de checker. C'est quoi l'intérêt de check? C'est que sa range elle est composée entre des as que je ne vais pas faire fold et entre des petites paires dame-dame, valet-valet, 10-10, 9-9, 8-8, 6-6, 5-5 que je vais pouvoir faire fold. Mais ce qui est intéressant quand on y réfléchit, c'est que si je décide de check, bah dans tous les cas quand il a un as, il va assez souvent miser de lui-même à la river. Quand il a une petite paire, il va check et je vais pouvoir faire fold ces mains-là en évitant de m'empaler contre les as. Et pour cette raison, je décide de check. River tombe un valet, il décide encore une fois de check, ce qui me rassure sur sa range, et donc cette fois-ci, je décide de miser 6000 pesos en bluff. Au final, il hésite un petit moment, et puis il décide de fold, et il retourne une paire de 8. Moi, je trouve que son fold est assez ok. En réalité, c'est un combo qu'il doit plutôt call, parce que c'est une main qui va unblock mes bluffs, mes mains comme Dame 10, Roi Dame, etc. Et donc il va préférer call 8-8 que 10-10 par exemple dans ce spot. Mais ça reste un fold qui est ok. En réalité, le point le plus intéressant pour pas qu'il ne fasse d'erreur dans ce spot, c'est aussi d'avoir pas mal d'as sur son check river pour ne pas trop fragiliser sa range de check. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit que potentiellement il allait en check, ou peut-être qu'en fait il allait les bet small,
Et bref, c'est un spot où, étant donné qu'il joue beaucoup en live, que ça 3-bet pas énormément, je pense que c'est un spot qu'il n'a pas forcément l'habitude de jouer et où il peut se retrouver en difficulté dans l'équilibre de ses ranges. Donc très intéressant, on en a beaucoup discuté. En tout cas, c'est le genre de spot où je vous conseille d'abuser si vous avez un peu plus d'expérience dans ce genre de pot que votre adversaire. Et arrive le dernier spot de ce petit vlog du dimanche. J'ai As-3 suité en grosse blinde, il y a un Mississippi à 300 et le joueur en small blind décide de relancer à 700. Le joueur en small blind, c'est un joueur qui est assez serré, assez solide, qui ne bluffe pas beaucoup, mais c'est un joueur qui fold aussi beaucoup et sur qui j'aime beaucoup mettre énormément de pression. Je décide de call parce que ma main a beaucoup de jouabilité, je vais être en position sur lui et je vais pouvoir jouer assez facilement. En plus de ça, il y a pas mal de fous furieux derrière qui vont pouvoir call et j'ai une main qui fait des nuts, on est tous très deep et donc c'est intéressant. Au final, les joueurs en milieu de position et bouton call, et on se retrouve à 4 sur un flop 4-3-2. Le joueur en small blind décide directement de miser 1000 pesos. La première remarque qu'on pourrait faire, c'est sur son sizing. Par rapport à la taille du pot, sa mise elle paraît assez faible. Sauf que, et là c'est un point qui est très important, c'est un joueur qui n'a pas vraiment conscience des sizings. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à dissocier quand vous analysez des joueurs. Il y a des joueurs qui ne vont pas miser selon la taille du pot, mais qui vont miser selon la force de leur main. Typiquement, ici, ils vont avoir une paire de valets, ils vont se dire « bon bah, il y a pas mal de joueurs, je peux être derrière de temps en temps, je vais miser 1000. » Et qui vont assez peu réfléchir en la taille du pot. Typiquement, sur l'option à 300, sa relance à 700 était assez bizarre. Parce que c'est juste un tout petit peu plus que 2x, et c'est assez rare en live. C'est le même genre de joueur qui, sur des blindes à 100, aurait open 400-500. Et là, il ne comprend pas que vu que les blindes augmentent, sa taille de relance doit augmenter. Donc ça, c'est le premier point qui est hyper important à dissocier. Et donc, quand il mise 1000, je ne me dis pas que sa range elle est faible, je me dis que sa range elle est très forte, il mise dans 4 joueurs, il peut complètement avoir des mains comme valet-valet, dame-dame, juste il y a des straight au board, il y a des brelans possibles, et donc il a un peu peur. Quoi qu'il en soit, je décide de call, parce que j'ai une main qui a pas mal d'équité, c'est une main qui va pouvoir aussi bluff plus tard, les autres fold, et au final, turn tombe un 4 qui ouvre un tirage couleur. Là-dessus, il décide de continuer à bet, et il mise 3500 pesos. Ici, je sais clairement que je suis derrière. Maintenant, je sais aussi que il n'a aucune note ici. Parce qu'il ne va pas relancer preflop des mains comme 6 et 5, c'est pas le genre de profil. 4-4, 3-3, 2-2, c'est pareil. Des mains comme As-4, il va plutôt les limper, c'est un joueur qui relance vraiment ses mains fortes. Donc ici, sa main la plus forte, ça va être une overpair, c'est ce qu'il va avoir principalement. Et donc, étant donné qu'on est hyper profond, on est à peu près à 30-40 000 de profondeur, je sais que si je mets tout au milieu, il va fold 100% de ses mains. Et donc ici, j'hésite juste entre raise et call. J'ai décidé de prendre l'option de call, pourquoi? Parce que l'intérêt de call, c'est que potentiellement, sur une brique, il va encore pouvoir miser, je vais pouvoir lui revenir dessus à tapis, et il va fold, alors que quand je raise, il va souvent trouver le fold de lui-même naturellement. Et donc je décide de call, river tombe un 5, qui me donne nuts, au final je suis même pas très content parce que je sais qu'il va pas me donner beaucoup d'argent, surtout sur cette carte. Il décide de check, encore une fois sa range est toujours la même, c'est valet-valet, dame-dame, roi-roi. Et là, je décide de faire une erreur à mon sens, c'est que je décide de miser 10 000 pesos. En fait, je me dis que si j'avais été en bluff, j'aurais sûrement fait 30 000, un sizing énorme où il ne peut absolument pas call. Mais pour autant, c'est pas parce que je suis en value que je peux me permettre de faire aussi cher que 10 000. Je dis pas qu'il va fold 100% ces mains-là, mais il va quand même les fold très souvent. Et en réalité, c'est un spot où j'ai beaucoup plus d'intérêt à miser genre 3000, 4000, vraiment pour me faire call 100% du temps. Donc ici, pour moi, je fais une quand même grosse erreur. C'est le dernier spot de la session, donc peut-être aussi moins de concentration. En ce moment, une période assez intense vu qu'on joue beaucoup, donc moins de sommeil. Enfin bref, je bet 10 000 pesos. Ce qui est marrant, c'est qu'in-game, en fait, je m'attendais tellement à faire tapis et push 40 000 pesos que je me suis dit, allez, vas-y. J'ai touché, je vais faire pas cher, mais en fait c'est tellement scary que dans tous les cas il va trop fold. Au final j'ai mis 10 000, il hésite et il finit par fold. Donc quand même une bonne erreur de ma part je trouve dans ce spot. On continue avec quelques spots où on grind, on se battle un peu avec Rudy. J'essaie encore une fois de lui mettre un maximum de pression. Et au final, après 6 heures de jeu, on finit la session avec un stack de 56 400 pesos pour un dépôt de 25 000. Donc ce qui fait un bénéfice de 31 400 pesos, si je ne dis pas de bêtises. Session qui fait plutôt plaisir, un grind sans accro, pas de session down depuis qu'on est ici. Et là les gars, très prochainement, ça va être le chaos. Des sessions catastrophiques pendant une vraiment longue durée.
Vous allez le voir, j'espère que vous avez kiffé. Je vais pas mal parler de mon ressenti, de mes émotions, de comment je me sens in-game. Si vous avez des demandes par rapport à ça, si vous voulez que je parle plus de certaines choses dans les vidéos, dites-le moi en commentaire. Voilà, le vlog est un peu plus court pour les raisons que j'ai évoquées en début de session. J'espère que malgré tout vous avez kiffé et que le contenu était qualitatif. En tout cas, c'est toujours l'objectif, je préfère faire du bon contenu bien qualitatif plutôt que d'enchaîner des sessions à l'arrache. C'était un plaisir, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'arrive à Paris la semaine prochaine. Ceux qui veulent me voir, je serai au Club Montmartre. Je vous laisse me suivre sur Insta pour avoir plus d'informations. Je posterai les jours où j'irai grind. Je vous fais des bisous. Merci à tous pour le soutien. C'est juste énorme. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao. La star, mais mec, t'as tellement pris une ce soir. Waouh. Bah, ça fait des envieux, hein. C'est normal. Hugo qui a fait une petite soirée à plus 7K. Bon, la session a été compliquée, mais sur la fin, il a gagné un pot. La dernière main. Heureusement qu'il y a des Chinois pour tuer leur dernier cas. Ouais, remercie les Chinois. Ils sont très gentils. Très gentils. Sinon, de mon côté, session à plus 31K, un truc comme ça. Mais comment t'as fait? T'es trop fort. Bah oui, mais moi, c'est comme ça, moi. Mais waouh. C'est n'importe quoi. T'es une machine, quoi. Moi, je pense que le challenge, il est Rigged. Ouais, mais c'est Rigged. C'est sûr. Non, mais en fait, Rudy, c'est un complice. C'est un complice. Voilà, c'est ça. C'est un complice. C'est bizarre. C'est bizarre à chaque fois que tu bêtes, il fold. Ce soir, pas facile. Mais ouais, non, franchement, c'était sympa. Ouais, toi, t'as fini up aussi? Ouais, 6K. Léger. 6K6. 6K6. Pas grand chose, mais bon. Mais voilà, c'est déjà sympa. T'avais bien up au début, hein? Ouais, j'étais up 15K au début. 15K au début. Et quelques petits pots qui ont pas. Les peuvent que j'ai pas réussi à payer. Ouais. Il y a eu on s'est un peu bagarré. Ouais, l'espoir était pas hyper facile en Bref, écoutez, go aller prendre le verre et dodo. Hein. Ouais. Bonne nuit. Tu dis bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.